Yo l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media là, depuis Mombad de police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une longue vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé, pas oublier abonner avec Mombad Media là. Et puis oui, chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media là. Mais nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Raison qui fait nous cibler zone. Non, comme moi t'ai dit déjà, il y a une activité dans zone là. Donc activité a mené en pile monde. Donc on est calico et genre d'activité ça toujours mené en pile monde. Donc nous là, j'aurais besoin pour nous capable contrôler, encadrer population. Hein. Ça c'est la première raison. Et puis deuxième raison qui est très très important, c'est que nous t'es dans zone ça en première fois, dans zone Pomateur. Kounia là, deuxième fois nous retourner, t'es qu'on on me garde des respects que t'es fait. Parce que nous que gagne un groupe bandit qui a formé dans la zone, ça fait nous venir. Donc, ils ont voué un paquet de roches, ils ont même tiré cartouche derrière nous. Donc, ça n'a pas fait nous plaisir, nous avons riposté, mais ils ont pris la fuite. Donc, nous avons dit que nous avons retourné pour nous faire ça que fait une peur. Bon, pour mon état d'avoir, je suis satisfait. Je suis satisfait, mais je vais permettre pour ne pas dire toute raison qui fait que nous sommes satisfaits. Parce que c'est le bar que je suis beaucoup capable de dévoiler. Donc ça que nous avons fait, je ne peux pas dévoiler tout le bar à la presse. Je peux quitter le bureau de communication, la police, là, bah, nous, de plus en plus d'informations sur pile raison qui fait que je suis capable de dire que nous sommes satisfaits. Parce que nous avons des résultats. Et résultat ça, c'est porte-parole de la police là, capé banoyo au moment opportun. Le réseau que fait là, et secrétaire d'État, sécurité publique là avec délégation, c'est parce que nous voulons assurer nous que les gens qui viennent dans le programme retournent la caillou en paix, en sécurité. Et ceci, nous campé là, nous apprêtons là jusqu'à ce que dernier grain de monde allait la caillou pour assurer que tout le monde vive la caillou. Alors on fait appel à. Et je vais dire à tout le monde, on met tête nous ensemble, on met tête nous ensemble, personne ne va essayer d'accuser personne. Parce que je dis à nous face en réalité, pays n'a pas qu'à vivre comme ça. On décide de faire l'autre pays. On fait sélection hommes et femmes sérieux pour faire l'autre pays. Parce que il n'est pas capable, pays arrive à côté, il n'est pas capable. C'est dans ce sens, moi-même, c'est secrétaire d'État et ministre intérieur, la police, nous toujours dans la rue pour nous voir comment nous sommes capables de porter une solution. Encore une fois, solution n'est pas possible sans implication. Population, ça, tout le monde va impliquer là-dedans, nous ne pouvons pas faire une solution. Nous avons rencontré des experts sur base pour nous être capables d'élaborer un avant-projet de constitution que nous avons soumis justement à tout secteur à partir de janvier. Donc nous sommes obligés, bon premier phase que nous avons organisé, et côté que nous rencontrons une série d'experts, sur une série de questions qui étaient déjà traitées par plusieurs autres rapports qui existaient avant. Sachant que c'était mon rapport en 2007, c'était en commission préparée de base, mettre en place, en troisième commission qui produit un deuxième rapport en 2009, et c'est sous base et rapport ça, et amendement 2011-2017, mais nous connaissons dans quelles conditions que l'amendement ça a été passé. Par la suite, en 2017, chambre député a pris un autre initiative pour mettre en place une commission spéciale sur l'amendement, déposé un rapport, États-Unis aussi produit un rapport tout, et Office de la protection du citoyen qui produit des rapports. Donc, toutes questions critiques sont censées être dans le rapport ça. On a une série de l'autre question que nous avons choisi approfondir, et notamment sur la question du régime politique là, et exécutif là, est-ce que nous avons un exécutif bicéphale, ou bien avec le Premier ministre en président, ou bien est-ce que nous avons entré dans le président, avec le président seulement, et est-ce que nous avons un régime parlementaire, ou si nous parlementaire, je dis, ou un régime présidentiel, et pour parlement, même est-ce que le Parlement a besoin de deux chambres ou bien il y a seulement chambre députée et c'est une question indépendante magistrature et qui est des questions que nous devons aller plus approfondir pour nous être les mécanismes qui peuvent mettre en place. Donc sous question gouvernance administrative, il y a une question de centralisation et dans la décentralisation, il y a un pouvoir plusieurs qui sont trouvés. Et c'est pas mal les résultats, c'est pour certains magistrats, c'est pour voir les alliés avec un magistrat. Donc nous comptons, en tout cas, selon tous ces témoignages, c'est pour voir que les alliés ne sont pas efficaces. Donc il faut passer avec un élu et qu'il y ait une responsabilité financière pour capable diriger en commune. Collectivité territoriale départementale, elle va mettre en place. Et ouais, qui est actuel pour mettre en place et qui des mécanismes qu'on est capable de mettre en place pour nous capable de prendre et pour assurer l'effectivité niveau collectivité territoriale. Donc il y a l'autre question critique, c'est de tout à Wayo. Donc là nous finissons, en fait, tout ça nous supposé Wayo et approfondissement.
et même l'élargissement de détection que nous avons. Donc là, nous allons commencer à partir de demain, et peut-être plus précisément mercredi, traitement toutes données que nous prenons pour être capable d'aboutir en premier, avant pour un premier jet, et c'est une discussion entre nous, et c'est d'ici peut-être que d'ici 1er janvier, 4 janvier précisément, nous commençons à voler et documenter ça avec tout ce que nous avons, et bien pour nous rencontrer dans le cadre de l'immunisation. Tout le mois de janvier, et pour développer ce mois février 2021. Il y a des structures qui parce que je me mettre en place, oui, c'est pour assembler, et même assembler de sessions communales, je me mettre en place, assemblée communale, je me mettre en place, et collectivité, département comme collectivité territoriale, avec un conseil d'administration et une assemblée pas de me mettre en place, et pour, donc pas de me mettre en place, donc ce qui fait que parfois on va mettre en place élection indirecte qui est faite, ou bien pas jamais faite, ou bien élection qui est faite par publié. Donc en fait, c'est que pas que nous-mêmes n'en prévoir, c'est que tout irritant, tout obstacle est identifié, et c'est vrai qui mesure une capacité pour être capable d'assurer l'effectivité et structure. Plus globalement, peut-être que ces questions ça nous pas. Peut-être dans l'autre rapport, bien évidemment, chaque rapport, il y a une problématique sale, il y a un degré de vision que l'on a des problèmes. Et peut-être que l'autre rapport peut-être nous aller un petit peu plus loin, et même dans la compréhension des problèmes. Et sauvegarder tout problème que Haïti vient, sauvegarder alors le monde qui a observé. Après, c'est comme si son pays qui n'est pas gouverné, son pays qui n'a pas un pouvoir là-dedans, pouvoir municipal, pouvoir, parce que la commune bon pouvoir en termes de sécurité. Le gouvernement pas qu'elle n'a pas de sécurité. C'est la commune qui est responsable. Et question de développement économique, il faut qu'on soit commune une capacité pour capable de mettre en place des structures, même des infrastructures, et pour attirer l'investissement dans la commune. Donc pouvoir communal, yo quasiment inexistant, parce que tout simplement, la façon que yo te concevoir communément, et yo met ton pouvoir, mais yo particulier là, l'autre pouvoir, c'est pour le pouvoir commissaire de police là, commissariat, qui vient entre maire là et commissaire de police qui vient dans zone là, pas gagné non plus avec tribunal qui est dans zone là. Tribunal de paix. Donc, qui fait que communion pouvoir exister nominalement, mais force de l'ordre là, pas non même. Donc, qui fait que il n'y a pas une capacité pour verbaliser, une capacité pour contraindre, pour faire contraindre, pour accepter même règlement communal. Ou bien arrêter un communal commun capable de prendre. Donc, ça, c'est des anomalies que nous ouais, mais nous capables ouais pour pouvoir exécuter ça tout qui est incapable pour prendre des décisions et pour appliquer des décisions là, et pour quelle raison, parce que bon incohérent entre tout pour pouvoir exécuter ça, entre le président république là qui fait campagne mais qui n'a pas gagné le pouvoir pour gouverner, mais n'empêche que constitution certaines prérogatives en termes de présidence conseil des ministres, l'idée est des prérogatives en nomination même ministre, et il y a des prérogatives pour nommer directeur général, et donc il y a des éléments d'influence même, mais en même temps le premier ministre qui a gouverné, il n'y a pas de rapport avec lui, il y a une situation côté finalement, s'il passe le conseil, c'est bloquer la bloquer pour lui que lui coopérer. Et pour le ministre même, et bon, là, pas un parlement, mais la plupart du temps, pour le ministre, c'est les sous-pression parlementaire qui a fait marchandage toute la journée. Mais déjà, pour être capable de voter comme premier ministre, il faut que lui baille toute place dans le gouvernement. Ensuite, il faut que l'abjet quotidiennement sur lui, parce que n'importe qui est 4 ou 5, c'est par exemple, parlement une réunion ensemble, ils ont interpellé, ils ont jeté. Mais chaque ministre vit chaque jour sous Venassa. Ce qui fait que le pouvoir n'est pas cohérent. Le président a dit qu'il n'y a pas de premier ministre en vrai, le premier ministre en vrai, il n'y a pas de président en vrai, c'est la même vision, même stratégie qu'il y a bien. Et le parlement n'est pas confortable du tout, parce que le parlement c'est marchand de la favelle. J'ai une institution, un système de nomination, il fait pas fragiliser complètement l'institution. Alors que ou gagner président qui fragilisé, ou gagner primature qui fragilisé, ou gagner rapport entre exécutif et parlement qui conflictuel, et qui fait que chaque individu, dans le système, chaque acteur, c'est survie quotidienne. Voilà, survie. ONU Femmes, l'ambassade du Canada, la francophonie, ils se sont mis ensemble, ces partenaires,
pour que nous soyons dans cette salle à réfléchir profondément sur le comment nous pouvons rétablir la paix en Haïti. Mais mesdames, messieurs, femmes leaders de ce pays, permettez-moi de vous dire, il faut à partir de ce forum prendre la décision de passer de la parole aux actes. Forum, nous en avons eu beaucoup déjà. Je suis particulièrement contente d'être présente parce que ce forum auquel je participe aujourd'hui, c'est comme un suivi par rapport à cette grande activité qu'a été le Forum national Femmes, Paix et Participation politique en Chita Palais, qui a eu lieu les 3 et 4 avril 2019. Et aujourd'hui, nous y sommes là. Et la situation tend à se dégrader. Mesdames, je voudrais vous dire une chose. Je voudrais vous rappeler que la société est composée d'hommes et de femmes. Nous sommes des partenaires naturels et constitutionnels, certes. Mais nous sommes arrivés à un point où nous devrions nous impliquer davantage. Mesdames, on ne peut plus leur laisser la reine politique du pays. Ils font trop de gaffes. Mesdames, impliquez-vous. Impliquons-nous davantage. Nous sommes leurs mères, leurs filles, leurs épouses. Mais on ne peut plus leur laisser le temps de jouer dans le feu. Mesdames, Haïti en danger. Et vous savez qu'est-ce que ça signifie lorsqu'on est en instance d'accouchement. Haïti gont tranché. Et femme, c'est lui pour ses petites. Garçon en qu'un baiser Paul li pour le bal force, mais femme n'a doué pour ses petites là. De jour en jour a plongé notre pays dans le chaos et fragilisé davantage la vie de la population. Les actes de kidnapping qu'on enregistre en ces derniers jours montrent combien notre société s'enfonce sous l'emprise du malin. Nous devons continuer à féliciter les autorités gouvernementales et policières pour leur dévouement dans la lutte pour réduire les actes de banditisme. Nous constatons face à ces actes de banditisme, les femmes et les filles sont les plus touchées. Nous déplorons avec énergie l'ensemble des traitements inhumains infligés aux femmes et filles qui sont surprises par les ravisseurs. Elles se voient souvent violées, bastonnées, humiliées et même tuées. Ce sont des actes qui révoltent la conscience sociale. La violence à l'égard des femmes et des filles, y compris les femmes et les filles handicapées. C'est quelque chose qui révolte la conscience. L'espèce humaine est un être grégaire. Nous sommes appelés à évoluer dans notre environnement. Si nous nous référons au texte du conteur français Fabre de La Fontaine, les animaux malades de la peste, où les animaux se sont réunis pour vaincre un ennemi commun qui était d'alors la peste. Nous les humains, nous devons nous inspirer de ce genre d'idées pour construire un mouvement féministe unifié tout en tenant compte de la diversité des femmes qui viennent des horizons divers. Face à l'adversité, nous les femmes, nous ne devons pas rester inactives. Nous devons être les premières à dire non et affronter les difficultés comme les héroïnes qui ont marqué notre histoire comme peuple. C'est une résolution qui était prise en 2020 par le Conseil des Nations Unies qui demandait que même en temps de conflit, pour que les femmes, les filles, pour ne pas tourner champ de bataille. Mais malheureusement, nous sommes dans le pays, les femmes, les corps, ne sont pas épargnés, ils sont avilés, ils sont battus. Donc nous disons, je vous dis, il faut que toute femme
qui en fait dans le pays d'Haïti. Faut que nous chita ensemble pour nous brasser l'idée, pour nous voir qui résolution que pour nous faire sortir ensemble, pour nous porter par le gouvernement des propositions pour que Zach Maspinay, qui a fait en dans le pays, dans la communauté, dans la zone de nos droits, pour nous suspendre, pour nous faire la paix dans le pays. Parce que le pays, c'est pour nous, nous besoin de la paix pour nous faire vivre là-dedans. On a travaillé même avec un peu l'organisation femme pour faire promotion femme, pour en fait sécuriser les droits mesdames. Donc, en fait, situation insécurité ça, instabilité ça qui est dans le pays, qui empêche les familles de vivre bien en dans le caillou. Dans la rue, quel que soit côté au passé, cœur pas, cœur sauté ou pas en paix, côté la caillou, l'église, ou dans le marché, quel que soit côté ou pas en paix. Donc nous dit que génération. Et ça qui l'a aujourd'hui, hein? Nous par contre qui maladie qui a souffert. Donc nous disons que ça fait presque toute université qui est dans le pays, ça, t'as dû former ce qu'on appelle des travailleurs sociaux ou bien encore des psychologues, parce que tout le monde est traumatisé là-dedans. Donc, situation, hein, l'interpelle nous comme femmes, comme monde qui a bataille pour les femmes dans le pays, hein? Nous disons qu'il faut qu'il y ait des résolutions qui sortent, il faut qu'il y ait un hola, et que puisque les femmes sont les principales victimes, donc c'est nous-mêmes pour qu'ils chitent ensemble, pour nous joindre des propositions. Pour nous porter par acteurs dans le pays. Forum, nan, en fait, le forum des femmes haïtiennes pour la paix. C'est ça qu'on débat autour de lui-même. Pour nous trouver des pistes de solutions pour payer à la paix là-dedans. C'est important de soutenir cette activité parce que à travers le forum des femmes haïtiennes pour la paix, il y aura des recommandations qui seront faites pour renforcer la paix durable en Haïti. On sait qu'aujourd'hui, il y a des difficultés liées à l'insécurité, à l'instabilité politique et aux violences faites aux femmes et aux filles. Et dans ce contexte, c'est important que les femmes qui subissent le plus gravement l'impact de ces fléaux se mobilisent pour lancer l'alerte, sensibiliser les acteurs, mobiliser les acteurs à poser des actes concrets pour restaurer la paix. C'est important aussi de noter que ce forum se tient au moment où nous célébrons le 20e anniversaire de la résolution 1325 Femmes, Paix et Sécurité qui appelle à une protection des femmes même en situation d'instabilité et de conflit et qui appelle aussi à une meilleure participation des femmes dans tous les mécanismes de décision, y compris en matière de prévention, de gestion et de relèvement des conflits. Et je voulais ajouter que ce forum des femmes haïtiennes pour la paix est en ligne avec l'agenda du développement durable 2030, les ODD, puisque l'ODD 16 parle de paix. Et donc Haïti a souscrit à cet agenda. C'est aussi l'objectif de développement 5 qui parle d'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes qui sera discuté ici. Donc vraiment c'est très important et nous savons qu'il y a d'autres résolutions telles que la CEDEF qui demande à lutter contre toutes les discriminations et les violences faites aux femmes. Donc c'est un atelier important. Nous sommes contents de voir les organisations de femmes ici, la PNH, des associations de juges, une diversité d'acteurs pour travailler ensemble et converger vers une résolution qui aura des recommandations fortes pour l'État en premier lieu. Parce que selon la résolution 1325, l'État est le premier responsable de la protection et aussi pour les autres acteurs politiques, des acteurs de la société en général. Voilà. Et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petit cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.